Bonjour, bonsoir, nous parlons de ces fleurs de gloire. À chaque fois que l'heure s'arrive, nous connaissons l'émission pour là qui entre la carreau, l'émission rituelle et prière. C'est une émission qui est capable de dire nous, qui prend naissance et à partir de réunion que tu as entre moi-même, le directeur Fidel Faïzien et le maestro Donley. Et pour nous venir avec l'émission ça, émission qui c'est rituel et prière, c'est une émission côté que nous portons bon genre de détails, bon genre d'informations pour vous. Et c'est une émission qui vient là, nous venons avec tout pour nous parler concernant les possibilités de gagner et pour entrer en communication avec les esprits qui sont au-dessus de nous. Là nous parlons de l'esprit, nous parlons de les anges qui est au-dessus de nous. Et pas oublier que l'émission ça c'est une émission qui n'a pas grand pile temps depuis le commencé, mais je pense que la fait chemin. Parce que nous suivons, nous jouons en pile commentaire, grand pile fois qui écrit nous, grand pile monde qui remet le travail que nous avons fait. Et ça bat nos encouragements pour nous aller de l'avant et pour nous protéger tout bon genre de détails pour vous. Et toujours continuer à faire plus de recherches et pour nous porter des informations, informations qui sont capables de utile. Parce que pas oublier cette émission, je vous ai dit tout à l'heure, c'est rituel et prière. Dans le rituel, nous voyons, c'est un ensemble de codes codifiés par rapport au langage qu'on parle. Et le rituel là, tout le liaison avec une machine à prier, le machine à prier qui est le grand sec cabal, que nous avons toujours expliqué qui sont petits secs, en grand sec et en petit sec, c'est considéré à l'intérieur de lui-même, qui est trois triangles et une flèche qui sont orientées vers l'est. Et nous avons un symbole flèche qui sont orientés vers l'est. Ça nous dit de symboliser l'amour, de symboliser le bonheur, de symboliser le réconfort, de symboliser une énergie positive. Pas oublier que là, nous avons parlé de rituels, nous avons parlé de cinq grands rituels qui ont rapport avec le livre, ouvrage que nous avons parlé à les rituels des rituels de Yod que nous avons parlé concernant toutes les génies qui ont rapport au rituel de Yod là. Maintenant, nous avons un rituel des Yod. Et nous avons fait la différence entre le rituel de Yod là et le rituel de Yod. Et par là, nous avons un rituel de Vav, nous avons un deuxième rituel de Yod. Et le dernier rituel là, c'est le rituel de quittance. Pour cela, nous avons un rituel de Yod. Dans le rituel de Yod là, nous avons expliqué que c'est presque la même étape, presque la même bagarre à le rituel de Yod là, mais il y a 4-6 modifications qui gagnent. En tant que là, un pour le baleine, nous changé la pour le baleine bleu. Et par la suite, que nous avons toujours besoin d'un calice qui soit une sorte de petit soucoupe, soit en or, soit en argent, et soit en sorte de litre ou aluminium. Ça veut dire que le calice qui changeait tout le bagage. Et pas oublier tout, dans une seule lieu là, nous avons dit que lorsque au gauche, on va mettre tête du côté gauche, lorsque au droit, on va mettre tête du côté droit, mais dans une seule lieu là, simplement, on va mettre tête du côté droit, et puis, pas oublier le calice là, là, du côté droit par rapport de tout ce qu'on peut faire. Pas oublier que une embaye encore nous t'ai toujours dit à chaque fois que vous entrez en considération ou vous la prière ou obligé d'entrer dans le lieu secret côté personne pas capable déranger et d'habitude sort de protection ou de vertus avec une blouse blanche et un foulard bleu et on a espace côtoyer ou capable de table une chaise et l'important et une embaye symbole nous toujours demandé faut un bouquet de l'eau qui ont si on robinet là dedans côté pour vermo pour laver mon symbolise un paquet de bagarre ou c'est des idées négatives des mauvaises pensées des qu'on est mis en les qui met tout bagarre qui pas propre et à, par la suite que le quitter de l'eau découler dans mon qui c'est un symbole mystique qui a rapport les eaux célestes avec esprit ça qui c'est offrir ça veut dire que c'est tout élément ça pas et l'autre bagarre encore que l'eau prier on capable prier le matin avant le lever du soleil, à midi, c'est important parce que là, ça, dans toutes les activités, on paquet de bagages, on va traverser, on capable entrer dans la caillou, dans la chambre spéciale qu'on habite sur prière, on capable faire prier ça. Et par la suite, que l'autre bah là, c'est l'autre encore, c'est à partir de minuit ou 11h du soir. Ça veut dire qu'il y a trois façons ou trois manières qu'on capable prier dans un moment, on capable prier pendant la journée. C'est le matin de très tôt, c'est à midi. C'est dans la soirée. J'aime dire non que non pas c'est Fleur Grégoire, notre serviteur pour cette émission rituelle et prière. Et jeudi à nous avons comme caméraman et Monsieur Gessner, c'est Monsieur qui a fait travail là parce que et on est son studio à devant, c'est Gessner qui a fait bon travail là avec moi là.
Et pas oublier que Radio Télé Causé Vodou, nous environ, nous gagnons plus que 175 000 monde qui est abonné. Nous avons monté presque dans 76, 77 000 monde qui est abonné avec nous. Et monde ça est éparpillé à travers la terre. À travers la terre. C'est ça qui fait nous venir à style d'émission ça. Côté nous demander nous partager, abonner, like. Et parce que c'est job nous ça c'est rôle nous pour nous porter bon jeu de détails. Et pendant que l'autre entité Chanel qui fait partie de la famille de Radio Télé Causé Vodou tel que Guinée c'est la vie, Pied Poudré, Dahomey TV, et nous demandons que à l'abonner à Chanel ça parce que nous porter bon détails, bon information pour vous qui capable utile nous et dans vie. Et sans plus tarder n'a entrer avec 5-4 génies que nous parler de yo qui a bien rapport Cap rapport à vendredi 12 juin et samedi 13 juin à partir de midi. Et génie qui rapport avec là c'est Aladia. Aladia qui s'écrit Aladhiah. Et non, cap 13 juin au 14 juin, samedi au dimanche 14 juin. Et génie que nous allons parler de lui aussi, c'est Lovia qui s'écrit Lauviah. Et non, et à partir de lundi cap 15 juin, génie que nous parlons de l'IA, c'est Aya qui s'écrit H-A-H-A-I-A-H, son chéri bélier. Et dans 16 juin, génie que nous avons porté pour moi, c'est Yezalel qui s'écrit U-E-Z-A-L-E-R, de son chéri bélier. Parce que à partir de génie, on a parlé de tous ces chérubins. Parce que après deux chérubins, il y a Séraphin qui est là, nous arrivons dans le plus haut niveau d'abord, qui est plus haut que Séraphin, c'est chérubin. Pour cela, et nous connaissons que d'abord, il y a deux bagages pour faire avant que on capable d'adresser génie, map de génie à la dia, qui sont chérubins. Deux bagages pour faire. Premièrement, on a besoin de faire sacrer le sec après qui c'est machine à prière, le grand sec cabal qui est un grand sec petit sec si concerne l'intérieur des mains qui est trois triangles on fait sur les VLS. Et par la suite l'on fait ça, on fait là et pour faire rituel de hier là nous avons compte tout ça on a besoin d'expliquer nous déjà l'émission précédente toujours aller à le chercher et si on va comprendre poser question et si on a plus de détails plus sauver les côtés pour nous toujours prêts pour apprendre parce que c'est ça notre force à la radio Télé Causé Vodou nous pas fin qu'on est. C'est qu'on est qui fait qu'on est, c'est pas ça qu'on a ensemble, qu'on a partagé ensemble, et puis qu'on fait sacrer les qu'on est. Et bien pour cela, caractéristique génie qui c'est Aladia, c'est la grâce divine. C'est la grâce divine. Et je vous demande de nous, toujours aller sur Google, écrit Aladia, Aladia qui s'écrit A-L-D-H-A-I-H, ou à plus jeune, D-H-I-H, D-H-I-A-H, ou à plus jeune en pile de taille de lit. Pour cela, avant que vous récitez prière là, d'abord vous supposez faire rituel de yod, rituel de hier. Rituel de yod a demandé que d'abord, ou juste avant d'entrer dans le lieu de prière, vous lavez mon. Lorsque vous lavez mon, vous quittez de l'eau à couler dans mon qui symbolise au mystique du point de vue, au céleste du point de vue mystique, côté au débarrasse de toutes les idées négatives, de toutes les mauvaises pensées. Par la suite que, pendant par la suite que, vous regagnez le lieu de prière. Dans le rituel d'hier qui s'allie, d'abord vous supposez vertu avec ton blouse blanche, vous foulez un sac qui est de couleur bleue. Par la suite, vous l'avez en baleine de couleur bleue aussi. La baleine est supposée à droite. Lorsque vous l'avez en baleine, vous avez fait mesure de que la lumière soit. Lorsque vous l'avez ouvert, vous longez mon baleine, c'est comme si vous avez une fluidité baleine. Quand vous faites ça, et puis vous avez un calice, un coupe dans mon, soit que vous coupez la lien en cristal, soit que dans l'argent, soit que vous coupez la lien en or. Ça veut dire que le couple calice est en or, en argent, en cristal ou peut-être en verre. Et par la suite, on prend place, on longe deux mains à l'extrémité du cigare, c'est cabal. Après ça, on repose par rapport à la flèche amdino qui sont orientées vers l'est. L'est les symbolise le réconfort, le bonheur, l'énergie spirituelle. Parce que là, on y a là. Ou capable de commencer puisque démon dans hauteur ça par la suite ou capable commencer capable par réciter ok sous gauche excusez sous obligé mettre tête du côté droit à partir de là pendant deux mois la tête du côté droit ou capable par réciter prière ça lié un rapport avec chérubin ça qui c'est génie à partir comme vendredi 12 juin et samedi 13 juin à partir de midi qui genre de prière lié prière n'a précédé prière. Il dit que après avoir effectué le rituel en vigueur et il dit que lire et prononcer la prière suivante qui sort de prière liée qui vient à génial. Il dit que je vais construire avec toi
Je veux construire avec toi, Aladia, mon destin. Je ne veux plus être un simple observateur. Je ne veux plus être un simple observateur de l'histoire au présent. J'ai compris que s'ancrer dans le passé, c'est ne plus progresser. Je vais me dépasser. Je vais me dépasser, avancer, prospérer par la connaissance, par l'étude, le savoir et par l'action. L'avenir de l'homme n'est pas ténébreux et il peut être édifié par notre volonté. Selon le bon vouloir de nos activités, ici et maintenant, Seigneur, j'ai choisi la vie et le bonheur. On va l'adresser à le chérubé, à la dia, on dit, oui, en avant, toujours, sans aucune crainte, car je suis et je serai avec toi à chaque fois que tu agiras, non pas pour détruire, mais toujours pour construire. C'est que c'est de bonnes prières, c'est de bonnes prières positives. Là, je t'ai expliqué que nous avons trois meilleures façons de faire prière. C'est au cours de la journée, allongé au lever du soleil, à midi et dans la soirée. Là, nous d'accord à ça. Le rituel là, c'est le rituel d'Ihé. Nous avons le rituel d'Ihé parce que nous avons le dixième génie, son chérubin. Et le rituel d'Ihé, après le rituel d'Ihé, pendant ce kabbalistique là, on pose du côté de l'Est, flèche à soin et vers l'Est. Et par la suite, on récite tout ça pour réciter dans le rituel là. Et puis, dans le moment de prière, on prie au roi des cieux. L'infini, on dévient sur deux blouses blanches qui sont au roi. Et puis, avec un capuchon, avec un clochette, on souffle, on éteint une baleine bien. Négativement, pas jamais éteint une baleine dans la bouche. C'est par rapport de clochette là, baleine l'éteint. Laisse ça, on finit, on dévient sur deux blouses blanches qui sont au roi. On retire le là, on quitte le lieu de prière. Laisse ça, on juste adresser avec le chérubin. Cap non, vendredi au samedi, vendredi 10 juin au samedi 13 juin à partir de midi, c'est dans l'intervalle ça. Et l'autre barrière qui est important, moi toujours considérer nous, c'est ça notre force à la radio Télécozo Vodou. Nous toujours dire aller chercher sur Google, aller chercher ensemble de qualité, aller chercher ensemble de force d'énergie que Genesis a importé. Pour cela, tout de suite, moi est monté sur Google. L'autre barrière qui est important, malgré Aladia. Moi, Aladia, il dit son ange protecteur, il reprend le pardon, il peut pardonner les gens, il aide à libérer de il dit que aider à se libérer de son passé, il aide à libérer tout de passé, on passe tragique, on parle qui tout monte haut et il permet tout gain bon gens compréhension. Et Aladia, il signifie Dieu propice, il symbolise la faute, la repentance et il permet d'apprendre à communiquer. Et il y a une liaison avec des personnes qui naissent à partir de 6 au 10 mai. Ça veut dire qu'on fait à partir de 6 mai au 10 mai, l'ange de protecteur là, ou l'ange qui marche c'est à la dia, son chérubin lié. Son chérubin lié, c'est 10e par rapport de génie qui a rapport avec le rituel d'hier. Pour cela, c'est ensemble petit détail ça me cher. Pour des bros, c'est sur Google des détails là, ma petite détail ça au bout. Logique là, c'est ça. Nous-mêmes, nous venons pour des bons gens de connaissances pour vous. Bons gens connaissances pour vous. Certes, mais demandez que commenter, abonner à chaîne là et sur des détails besoin plus apprendre qu'on est là toujours disposé et disponible pour vous-même pour nous porter plus d'informations et nous voulons apprendre qu'on est tout. Si quelque petit détail, quelque petit bail que nous manquait. Personnellement, nous toujours avec un grand cœur ouvert pour nous accepter et pour nous grandir, pour nous gagner plus maturité. J'aime de dire non, c'est le premier génie que je porte pour vous, cap vendredi au samedi, cap 12 juin au 13 juin 2023. Et il y a un programme qui est à partir de 6 au 10 mai, tout que on est capable d'interpeller. Ça, c'est ensemble de détails obligés à chercher sur le génie, à la dia qui a un rapport, son chéri bélier. Un, il y a un rapport avec le rituel d'Ihé et il y a un rapport avec le machine à prier qui est le grand sec cabal. Et là, on s'y pose tout de suite pour cela pour nous arriver à un deuxième génie qui c'est Lovia. Lovia qui s'écrit A-L-L-A-U-V-I-A-H. Merci, merci beaucoup. Okay.